Bonjour, ben, vous êtes là chez Laurent et Véronique Romer, Véronique Guéret. Ben, je vous souhaite la bienvenue à Utenheim, en pleine camprousse. On a un élevage de 15 couples, dont 7-8 couples de pleu barré, 5 couples de pleu écaillé et 4 couples de chrysos bleu barré. Non, de chrysos bleu, pas barré. Une seule race. Par contre, on a aussi 18 couples de nourriciers pour gérer tous ces petits. Quoi. On a commencé, bon, moi j'ai commencé dans les années 80 avec le King. Parce qu'avant ça, j'avais pas mal d'autres races de pigeons, mais dans les années 80, je me suis penché que sur le King. Et ça nous fait qu'avec la suite, Véronique a participé un peu à cet élevage. On a quand même 6 box séparées, on va dire, pour pouvoir gérer les mâles et les femelles à part. Et puis 2 box pour les petits, 1 box pour les éleveurs. En dimension, ça fait en profondeur, ça fait dans les 6,40 m. Et chaque fois, ça dépend, ça fait 2 mètres, 2,50 m en largeur. Quoi. Comme dit, tout cet élevage sur Calpody, ça évite de nettoyer trop souvent. On va dire ça comme ça, parce que le nettoyage, c'est toujours délicat. Surtout quand on a un certain nombre de pigeons. Quoi. Un système d'extraction très simple, fabrication maison, on va dire. C'est un tuyau plastique où j'ai percé plusieurs trous dedans. Et qu'à l'autre bout, il y a un petit moteur, un petit ventilateur extracteur qui est censé d'aspirer les poussières. Mais comme dit, le moteur n'est peut-être pas assez puissant. Ça ne marche que certains trucs. C'est rien spécial. Il faudrait trouver le moteur adéquat, mais le moteur adéquat serait un ventilateur de caravane. Mais c'est immense et je n'ai pas les moyens de l'accrocher. Alors pour les mangeoires, c'est des mangeoires fabrication maison. Avec un couvercle et à l'intérieur il y a une gouttière en plastique pour être plus facilement nettoyée et des petits barreaux pour que chacun passe sa tête et que ça se chamaille pas trop autour de la mangeoire. Et on a un plateau en bois en dessous pour que quand les graines tombent à côté que tout passe pas directement sous les caillebotis et éviter d'avoir trop de pertes. Pour les abreuvoirs, c'est l'abreuvoir classique qu'on retrouve un peu partout pour les volailles ou les pigeons. C'est des abreuvoirs de 6 litres, ils sont lavés quotidiennement et sur un petit support pour qu'ils soient à hauteur des pigeons. Les mangeoires à grites, il y en a une dans chaque volière aussi avec le petit support et c'est la petite mangeoire à grites traditionnelle hein, avec son couvercle et voilà. Alors, ça c'est les box d'élevage. Donc, en début de saison, le temps de mettre chaque couple dans son box, on a une alimentation individualisée du coup, avec un abreuvoir classique de lapin, avec une bouteille en plastique. Et on met la nourriture dans des petits godets qu'on trouve sur les expos. Et on nourrit tous les couples individuellement pendant le temps que ça s'installe, entre 15 jours et 3 semaines, à peu près quoi. Et après, une fois que tout le monde est à sa case, on ouvre les petites portes et c'est l'alimentation collective dans les mêmes mangeoires et mêmes abreuvoirs qu'on a vu précédemment, avec le griton collectif. Et on met du griton individuel aussi dans les box quand ils sont enfermés. Alors, dans les box, on a un fond en moquette
pour éviter que nos chères femelles king ne cassent leurs œufs, comme elles sont assez maladroites. Et quand elles pondent, on ramasse les œufs dès qu'ils sont pondus. C'est bien l'avantage d'avoir un papa à la retraite qui passe plusieurs fois par jour. Et donc, ils ramassent les œufs dès qu'ils sont pondus, ils sont enlevés pour éviter la casse. Et c'est pour les femelles un peu plus à droite, on a le nid en plastique classique qu'on verra tout à l'heure dans la volière des éleveurs. Voilà une case de nourricier, donc avec les nids. Hop. Donc il y a la petite. Le petit tapis en chambre, je crois que c'est. Hein. Et puis encore un petit king qui reste là. Et puis on met du papier journal en dessous pour faciliter le nettoyage qu'on change quand il faut, quoi, tous les 2-3 jours. Et ça part au compost. Voilà. Les volières des reproducteurs sont équipées chacune d'un petit balcon, d'une petite terrasse. Alors ça permet aux pigeons de sortir sous la pluie quand ils ont envie. De prendre une petite douche et puis sinon on leur met leur petite baignoire de temps en temps pour qu'ils puissent se baigner. Et puis ils prennent des bains de soleil aussi visiblement. Alors les aliments qu'on donne, alors il y a un mélange de graines qui vient d'Allemagne directement dans un moulin. C'est un mélange avec des pois, du blé en pas trop grosse quantité. Il y a du tournesol, il y a du colza, il y a du maïs rouge, entre autres choses. Voilà, c'est à peu près ça. On rajoute du blé qui vient d'un agriculteur pas très loin, en quantité variable. Selon la saison. Et on rajoute du granulé pigeon aussi qu'on achète chez un éleveur qui fait des pigeonneaux pour la viande et qui est très riche en protéines. Voilà. Et de temps en temps, pas toute l'année, quand on a les jeunes, on rajoute du chardon marie pour la digestion. Ça évite tout ce qui est problème de coccidiose et compagnie. Enfin, on trouve que ça facilite la digestion. Voilà. Ça, c'est pour les graines. Donc après, on compose notre mélange dans les bacs bleus, là, où on rajoute le blé en fonction de la saison, quoi. Pendant la mue, on rajoute un petit peu plus de tournesol pour faciliter la mue. Et en période hivernale, on rajoute un peu plus de blé, enfin pour que la part de pois, enfin de protéines soit un peu moindre en hiver, on augmente un petit peu la part de céréales. Par contre, on ne met pas d'orge, on ne fait pas vraiment de cure de régime en hiver. On préfère avoir des pigeons assez lourds pour tenir après toute la saison. On n'est pas fan du régime hivernal. Alors, la distribution du mélange, c'est. On mesure une ration comme ça, donc de 1 litre pour 18 pigeons à peu près. Et donc, en fonction du nombre de pigeons qu'il y a dans les volières, on dose la quantité à donner. C'est une distribution par jour dans les volières des éleveurs. Et après, non pas dans les volières des éleveurs, dans les volières des couples. Et chez les éleveurs, on passe à 2 distributions. Enfin, là, il y a une plus grosse dose de distribuer. Ça permet de nourrir les petits 2 fois par jour. Et donc, ils grandissent plus vite et ils sont plus costauds. 3 sortes de grites de chez Versalaga. Il y a des coquilles d'huîtres. Voilà. Les coquilles d'huîtres classiques. Hein. Il y a du gris rouge qui est un peu anisé et un mélange de gris et rouge et il y a un peu de coquille d'huître aussi. Voilà, alors ce que je fais, c'est que je prends mon récipient et je mets un peu de chaque et je touille et c'est distribué à volonté
dans les volières, dans les bacs à grites. Comme ça, ils ont tout ce qu'ils... Ils ont les trois, ils picorent ce qu'ils veulent. Et puis voilà, il y a de tout. Et puis on leur met des pierres à picorer aussi. Alors j'ai deux ou trois sortes en fonction de ce que je trouve dans, dans les magasins. Hein. Là j'en ai des brunes qui sont un peu argileuses. Et puis sinon c'est la... C'est des... Ça c'est pas une pierre de sel non plus, c'est un autre, une autre pierre à picorer. Et d'habitude je donne encore des pierres de sel, mais là j'en ai plus disponible. Alors en produits complémentaires, on n'utilise pas tant de choses que ça finalement. Alors notre indispensable, c'est le vinaigre de cidre du supermarché, hein, basique, hein, le moins cher du marché, qu'on utilise toute l'année. À raison de 30 ml dans notre abreuvoir de 6 litres, donc 5 ml par litre environ. Ça permet de garder l'eau propre et c'est bon pour la digestion. Quand il n'y a pas de vinaigre de cidre dans l'eau, donc à peu près deux fois par semaine, on met des vitamines. Ça fait quelques années maintenant qu'on travaille avec... les mêmes, hein, avec Metholiamine Forte. Je les trouve super complètes. Très concentrées, même trop concentrées pour le King. Nous, on ne donne que la moitié de la dose de ce qui est marqué sur le mode d'emploi. Pareil, hein, on met 30 ml dans nos abreuvoirs de 6 litres. Ouais, donc ça deux fois par semaine. L'Extra Vitality aussi de chez Schroeder Toulissant, comme le Metholiamine Forte, ça c'est pour un peu les booster en début de saison, surtout pour les mâles. Il y a un peu de vitamine E dedans, donc ça du coup on le donne en début de saison pour les lancer, quoi. Voilà. Le Nature Moor, donc ça c'est de chez Técontor. C'est à mélanger dans la nourriture ou dans l'eau de boisson. Mais alors nous, on le met dans la nourriture, par-dessus la nourriture. Une à deux cuillères à soupe dans notre dose de graines. Une à deux fois par semaine. Et ça permet d'améliorer la qualité des fientes. Ça fait des belles fientes rondes. Donc c'est bénéfique pour la digestion, quoi. Et on a découvert ça grâce à un éleveur de Chéti qui nous a conseillé ce produit. Et on donne un peu de thé de temps en temps quand on remarque qu'il y a des problèmes au niveau digestif toujours. C'est un mélange de thé de chez Técontor aussi, tout comme le Moor. Alors il y a un peu de tout là-dedans, hein, il y a de l'ail et différentes herbes. Voilà, je peux essayer de le montrer. Et donc, on fait de la tisane à nos pigeons. Et ils aiment bien ça. Pour ce qui est des traitements médicamenteux, bon, on en utilise assez peu. On n'est pas trop fan des traitements globaux. Donc la pharmacie elle est assez réduite. Hein. Donc on a un anticoccidien qu'on utilise vraiment en cas de nécessité absolue. Donc c'est la Percox de chez Schroeder Toulissant. Les jeunes cette année ils en ont eu une fois parce que la saison était vraiment très 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 humide et que les premiers jeunes sevrés ont eu un petit souci à un moment donné. On a un traitement pour les vers. Là, c'est pareil, les kings n'en ont pas eu depuis un certain temps. On fait un traitement avant le début de saison aux éleveurs. Tout simplement parce que les kings, on les traite à l'ivomec. Avec la petite pipette, ils ont droit à deux gouttes dans les plumes. Une fois par an. Et ça les protège contre tous les parasites internes et externes. Donc le vermifuge, il n'y a vraiment pas nécessité. Par contre, on ne met pas d'ivomec aux éleveurs parce qu'ils n'ont jamais de parasites externes. Donc on leur fait un traitement de vermifuge par an.
Quand il nous arrive d'avoir des problèmes respiratoires, j'utilise l'orniclam de chez Vetschröder Toulissant aussi. Alors, moi j'ai les deux, là, j'ai lu l'individuel quand c'est vraiment juste pour un pigeon qui a un petit souci. Et sinon, bon, on a la boîte de poudre s'il faut faire un traitement un peu plus étendu. Mais voilà, ça fait un moment qu'elle est là et qu'elle n'est pas entamée. Touchons du bois. Alors, l'orniclam, donc en capsule, en gélule individuelle ou alors en boîte de poudre quand les problèmes sont plus étendus. Alors, l'orniclam, ça, c'est pour les problèmes respiratoires, donc l'ornithose, mais aussi pour les chlamydia, parce que ben, il y a 2, 3, voire 4 saisons en arrière, on avait un problème au niveau respiratoire, enfin des pigeons un peu essoufflés et avec les yeux qui larmoyaient un peu. On a essayé différents médicaments, il n'y en a aucun qui était efficace et du coup on a appelé au cabinet vétérinaire et en fonction des symptômes, enfin voilà, ils nous ont conseillé d'utiliser ce produit et un seul traitement et c'était réglé. Et depuis, il n'y a pas eu d'autres soucis. Le nettoyage chez les nourrissiers, c'est au minimum une fois par semaine. Nous, on enlève les crottes, mais comme on a des journaux sur les petits, on enlève les journaux, on remet un journaux neuf et c'est reparti pratiquement pour 4-5 jours. Ça dépend s'il y a des petits de la taille plus ou moins importante. Qui fait partie du sol, criagé, on nettoie deux fois par an. Le sol criaché chez les nourriciers. Par contre, on nettoie qu'une fois chez les couples de King et les boucs se fait deux fois, trois fois. Une fois je les aspire, une fois je les lave. Comme c'est des tapis, je les sors, je les lave et la fois d'après je les aspire avec l'aspirateur et ainsi de suite. Mais trois fois par an et c'est bon, c'est nickel, c'est propre. La vaccination, on vaccine tous nos kings, adultes et jeunes, une fois par an pour la paromyxo. Et c'est à peu près tout ce qu'on fait comme vaccination parce qu'on ne voit pas d'utilité à vacciner autre chose. Pour le choix des couples, ça donne lieu à de grands discours, à de grandes négociations, puisqu'on est à deux à conduire l'élevage. Donc chacun donne ses opinions d'abord sur le papier. Après, on prend les mâles et les femelles, on va les mettre dans nos petites cages d'exposition et on observe ce qui peut aller ensemble, si on tombe d'accord ou pas. Donc papa, c'est plutôt... tout ce qui est bleu barré, moi c'est plutôt ce qui est grison et bleu écaillé. Et oui, c'est souvent très animé à ce moment-là de l'année. Le temps qu'on tombe d'accord sur les accouplements qu'on va faire pour. Parce qu'on accouple pour l'année, on ne change pas en cours d'année, ou, sauf s'il y a un problème. Enfin, une femelle qui pond pas ou un mâle qui coche pas. Autrement, on essaye de pas trop toucher aux accouplements au cours de la saison. On met les couples en place dans les volières au courant du mois de février, en principe. Vu que j'ai des congés, je profite des congés scolaires, comme je travaille dans une école, pour faire ça pendant les vacances de février d'habitude. Donc c'est souvent autour de mi-février. Pour être présente pendant 15 jours avec papa, pour essayer de faire ça le plus rapidement possible. Et puis du coup, on met d'abord les couples dans les petites volières d'exposition, on met les mâles et les femelles côte à côte pendant un jour et demi, 2 jours pour qu'ils fassent connaissance. Et ensuite, on les met dans les box avec de l'eau, de la nourriture et du grit, et on attend que ça se passe. Et en principe, ça va assez vite. Hein. Il reste enfermé jusqu'à ce qu'il soit décidé à être accouplé correctement et à retrouver le chemin de leur maison après. Donc on ouvre progressivement. En principe, ça met 15 jours, 3 semaines quand même.
jusqu'à ce que tout le monde trouve l'entrée de son box et que les bagarres s'arrêtent. Ouais, il faut compter 3 semaines. On commence souvent par les couples où il y a un adulte, parce qu'on laisse les adultes souvent dans le même box. Donc ils ont déjà un point de repère. Les adultes sont souvent, même si on les réaccouple rarement ensemble, mais on a toujours un adulte repère qui va trouver sa maison plus facilement. Et après, une fois que les adultes ont bien repéré où ils sont avec leurs partenaires, on ouvre progressivement au couple jeune. Ça va souvent plus vite en bas, parce que le rez-de-chaussée est plus facilement repérable que l'étage. Parce que comme ils sont un peu lourds et qu'ils font pas du vol direct, ils cherchent d'abord un palier sur la mangeoire ou sur la planche là-bas pour après arriver à monter. On a sur notre tableau, c'est là qu'on note les pontes des kings. On note aussi les pontes des éleveurs, évidemment, puisqu'on va interchanger les œufs avec une date la plus proche possible. Puisqu'on utilise quasiment les éleveurs à chaque fois. On note les dates de ponte des kings. Avec à chaque fois l'éleveur où les œufs vont être posés. Donc là, c'est le dernier petit de l'année. Hein. La ponte a eu lieu le 17 juillet. Le couple, c'est les vers. Ils ont eu qu'un seul œuf. Ils ont pondu qu'un seul œuf. Je crois que le deuxième n'a jamais été pondu. Et ils ont été mis en couvaison chez les éleveurs sans bague. Tiens, ils n'ont pas de bague. Donc ils sont juste au fond là-bas. Et donc l'œuf est fécondé. Donc on attend que ça arrive et c'est le dernier de l'année. Et ensuite, une fois que là il y a les dernières naissances du mois de juillet, je crois qu'ils sont encore notés là, il y a encore 3 petits à baguer. Et ensuite on fait une feuille sur le traitement de texte informatique, hein, avec du coup là on a tous les jeunes nés cette année en 2021. Donc avec à partir de mars, avril, mai, juin et donc juillet. Et puis août, a priori on aurait peut-être un. Et on a arrêté il y a quelques temps déjà. Là, on a déjà séparé les mâles et les femelles qui sont chacun dans une volière séparée. Alors nos reproducteurs n'ont pas de nid, ou la plupart n'ont pas de nid parce que on a remarqué ces 2-3 dernières années que très souvent elles pondaient sur le rebord du nid et on avait beaucoup d'œufs cassés. Et du coup on a essayé carrément de faire de l'élevage sans nid et finalement ça marche assez bien. Et du coup cette année on a fonctionné comme ça. Après c'est pas dit que ça change pas de nouveau un jour, mais pour l'instant c'est ce qu'on fait. Alors il arrive que certaines femelles se mettent à couver sans nid et sans œufs. Donc quand elles bougent plus et qu'elles sont vraiment posées comme si elles voulaient couver, on ferme le box et on laisse le couple à l'extérieur, donc en liberté, sans box, et pour les relancer en fait, et qu'elles soient de nouveau stimulées. Et après, une fois qu'on voit qu'au bout de 2-3 jours, hein, ça ne met pas très longtemps, on réouvre le box et un nouveau cycle repart. Alors, du coup, on met nos œufs de king chez un couple d'éleveurs. On donne toujours que 2 œufs, hein, on en met rarement plus. Parfois, quand on remarque qu'on n'a qu'un seul œuf fécondé, évidemment, on va essayer d'optimiser au maximum. Donc parfois, les éleveurs couvent des petits kings de nids différents. Et du coup, à la naissance, on observe, mais on observe de plus en plus de loin. On n'aime plus trop intervenir quand on voit les petits qui commencent à bêcher. On préfère les laisser faire. On aide vraiment quand c'est nécessaire. Quand les petits sont du même nid, on fait rien. Quand c'est des petits kings de nids différents, je mets un marquage avec du vernis à ongles sur les pattes ou sur le duvet. Et je note qui a été marqué et qui n'a pas été, pour pouvoir les identifier plus tard, au moment de mettre la bague, pour savoir quel petit vient de quel couple. Voilà, ça c'est une petite astuce maison. Et le vernis à ongles, ça tient très bien sur le duvet des petits, ça ne s'efface pas. Voilà.
Et du coup, on les laisse faire nos éleveurs, on leur fait totale confiance. Et puis, quand ils sont arrivés à... Bah là, ils ont toutes les plumes et tout, ils sont encore avec les parents, hein, ils sont encore dans le box des éleveurs. Et ils descendent au moment où ils veulent et ils sont sevrés au sol. Les éleveurs les nourrissent au sol. Parfois, ils sont même nourris par d'autres éleveurs qui ont des petits du même âge. Ils font leur vie et ils apprennent à manger à la mangeoire et à boire en regardant les autres, hein, tout simplement. Et au bout de 5 semaines, en principe, on les sort, ils sont sevrés. Tout se fait tout seul et on les met dans la volière des jeunes à côté. Un couple de crisons, dont le mâle il est crison bleu et la femelle elle est bleu barré. Les atouts, c'est un mâle qui est assez costaud, qui a une bonne rôdeur. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Un bec qui pourrait être légèrement plus court, mais qui est quand même relativement bien pour un crison, quoi. Et puis avec une femelle bleu barré, bien ronde, bien typée, je pense que là, c'était un couple à choix très judicieux, vu les petits qu'on a sortis. Un premier petit crison qui a déjà une belle allure, je dirais, pour un crison. Et un autre qui est légèrement beaucoup plus jeune, parce qu'on en a encore d'autres qui sont bleus et caillés. On a un peu sorti des crisons, mais on a aussi sorti des bleus barrés de ce couple. Comme on a couple toujours un crison avec un crison bleu avec une femelle bleu barré, les petits c'est pareil, il y a des petits crisons qui sortent et des petits bleu barrés. Un petit commentaire, c'est un sujet qui, jeune, pense un peu prometteur vu son gabarit et sa tenue. Un couple de bleus écaillés avec un mâle bien haut sur ses aplombs, ce que la famille Romère aime bien, du moins le père Romère, qui aime bien les couples qui sont assez hauts sur pattes. Alors, c'est un mâle qui n'est pas trop costaud, mais qui fait son poids super bien, quoi. Que j'ai accouplé avec une super belle femelle avec je dirais pratiquement tous les atouts que doit avoir un king, vu sa forme, ses aplombs, sa tête, elle est très courte, c'est un super pigeon vu de ma façon.
Bon, il y a deux petits, il y en a plusieurs, on en a que deux pour l'instant, que deux ici, qui reflètent déjà un peu les parents, quoi. Il y en a un qui est légèrement plus petit, mais qui a quand même des aplombs un peu corrects. Bon, il est encore très jeune. Tandis que l'autre à côté, qui est un peu plus âgé, je pense, du moins, sans contrôler, qui est très court, qui a déjà une très belle allure. Le bec pourrait être plus court, ça, c'est toujours le même problème. C'est les becs, c'est un grand problème, mais je pense pas que j'ai nous. Bon, on a encore un couple de bleus barrés avec une femelle rouge centrée, qui veut dire les jeunes sont autosexables. Tout ce qui sort en bleu barré, c'est des femelles, tout ce qui sort en rouge centré, c'est des mâles. Ce qui ne nous intéresse pas du tout, c'est d'avoir des couples autosexables pour être sûr d'avoir des femelles en fin d'année. Alors, après le mâle, c'est un mâle déjà qui a un peu d'âge, qui a un très beau corps. Je pense que c'est un mâle qui tient. Bon, là, il a un peu la queue en vatrouille. Après, il y a une femelle qui est bien courte, bien typée. Mais l'avantage, c'était d'avoir des pigeons autosexables pour avoir être sûr, fin d'année, d'avoir des femelles. Bleu, oui. Bon, on a deux petites femelles bien typées, bien courtes, toujours le même problème de bec. On pourrait avoir des becs un peu plus courts, mais bon, il y a quand même des becs déjà un peu costauds, quoi. Femelles qui sont un peu jeunes, ça devrait aller, quoi. D'ici 2 mois, on verra autre chose.